suis dans la campagne électorale, j'ai même dit université vacabon, université marron, oh la loi. Tout a été moi, j'ai servi nos plateformes politiques. Il y a quelque chose qui finit paraître pas normal dans sa rencontre avec les ministres là. Et il y a une affaire qui vient dire, il y a une responsabilité des parents. Nous tu bien connais quand nous mettons nos enfants. Ça, c'est un petit peu, tout ce monde petit peu, hein. Et mon gain lettre de graduation pour venir faire le 27 qui pour graduation pour faire pour Elim University India. Alors là, je pose la question, est-ce que Elim University India a coopéré? Parce que vu que ce bon chancelier, ce bon head dans prison. Alors, qui s'en a représente Elim University India pour graduation? Premièrement, je ne peux pas faire mon vaiva. Deuxièmement, je ne connais pas mon papier d'examen causé. Troisièmement, mon dissertation, je ne connais pas si il est bon, il n'est pas bon ou bien. Je ne sais pas même, je ne pense pas mon prendre une dissertation sur Internet pour nous donner une autre. Je ne pas connais. Je dis à moi, je vais faire graduation. Je ne connais pas mon bizarre, je vais faire vaiva là. Qui durait de 10 15 minutes, alors qu'un va à l'Université Maurice, il durait de 45 minutes. La comparaison, si nous faisons dire, on trouve ça un petit peu louche. Et je dis, le gouvernement, dans mon petit discours programme, je peux dire comme ça, je peux amener knowledge. Et où là? Avec ce qui a été dit, qui a la tête là, qui a capable d'amener knowledge de ce pays là, parce que ce qui a là, c'est un ancien fonctionnaire qui finit jouer avec documentaire. On s'attend autant dire qu'il est coopérant dans tech, document finit disparaître dans folio. Et ça va du monde là, aujourd'hui je peux rapporter les ministres concernant l'éducation tertiaire. Tant que ça va du monde là pour dans tech, tant que pour un haut fonctionnaire à côté de lui. Tant que vous PS qui est avec lui actuellement, non, n'y est pas pour bouger de ce pays-là. J'ai vraiment envie de faire un nettoyage, un bon coup de balier, bizarre commence à nettoyer, c'est la même. Madame Lila Devidouken, dans le Parlement, quand tu es dans l'opposition, pose question à Elim University. Monsieur Boda, ça quantité de questions qu'il vient poser dans le Parlement-là, qui est arrivé là? Monsieur Ram Naren d'Otek qui vient dire à la radio qui Monsieur Boda n'y pas connaît qui l'y peut causer. Tout renseignement qu'il a, c'est qu'il t'es qu'il peut faire ce travail, l'étudier ça jour là. Tout correct, pas de problème. Tout dernièrement, Monsieur Sabien Kassinali qui vient la radio qui vient dire qui Elim University fin respecter ce 35 ou bien 34 conditions qui t'es fin demandé, fin respecté. Zodi pevin djéou. Le ministre pevin djéou. Qui responsabilité nos parents. Le ministre pevin djéou. Al fait une caisse en cours contre Elim University. C'est nous parents qui bisait dépense casse. Al fait une caisse contre Elim University. Contre. Comme je dirais, nous perdons la guerre contre l'État cette fois-ci. Et nous nous demandons un fact-finding committee ou bien un full-fledged commission d'enquête. Et depuis l'air, il y a un mois, nous perdons même. Et le gouvernement, les ministres, quand nous montrons un papier qui se passe dans la cour, les ministres disent nous, il y a un homme de loi pour la guerre dans la cour. Nous nous venons estimer pour les ministres, nous nous disons, à travers l'université, comme l'université de Maurice, comme UTM, comme Open University, encore l'autre université, nous peut demander que si ça va nos enfants là, pas pour reconnaître sa certificat Elim là, nous capables de faire un top-up devant l'université, quand même un an et demi, nous êtes capables de sacrifier les autres, au moins 10 000 quand nous sommes sortis, nous avons un certificat dans notre l'armée qui reconnaît. Nous avons la troisième année pour faire, est-ce que ça va nos enfants là, pour besoin payer un loan encore, pour continuer sa troisième année là, nous faisons l'appel avec le premier ministre, nous peut demander un rendez-vous officiel avec Sir Aniruddh Jagnat, Modjali, n'est assisé. Les sabans parents-là, sabans étudiants-là, causer
écoutez, et moi, si je vous dis, vous n'êtes pas insensible. Une minute.